Tanguy Pastureau, vous voulez vous adresser à nos invités ce matin. Oui, Cécilia, Louis, vous me faites rêver. J'ai envie d'être vous, de vivre entre les States et la France, d'être glamour, d'écrire des livres. Mais je suis là à 45 piges à végéter à France Inter. Léa et Nicolas commencent à peine à m'aimer, à se dire ça vaut pas Charline, mais il a son petit style. Que ma mission intérim se termine déjà. À la base, pourtant, j'étais mieux parti que vous. Famille de la classe moyenne, enfant sans histoire, adolescence à peine troublée par les seins énormes de la chanteuse Sabrina. Alors que vous, vous en avez chié. Vous venez de la banlieue, le 9-2. Une zone atroce gangrénée par le vote communautaire. L'UMP a fait jusqu'à 75% des voix aux élections. Certaines familles sont radicalisées à l'extrême. À 5 ans et demi, il arrive que des fillettes se voient imposer le port du serre-tête. Parfois, je vais à Neuilly. Ben, je vais vous dire, je rase les murs en pierre de taille. Il y a un mois, un groupe de jeunes m'a arrêté alors que je promenais mon Yorkshire Balkany, que j'ai appelé ainsi en hommage au porte-parole de la banlieue qui croupit dans les geôles macroniennes. Et ben, ces Kaira, habillés tous pareil en short avec un béret, m'ont obligé à acheter leur calendrier. C'est 5 € pour les scouts, monsieur. « S'il vous plaît », m'ont-ils dit. « Ça m'a fait peur. Qui est si poli aujourd'hui ? Personne. Ça devait être un code entre eux. Je me suis dit, ils vont me planter. Je me suis enfui en laissant toutes mes affaires et depuis, ils me harcèlent. Le commissariat m'a appelé pour me dire qu'ils avaient rapporté mon portefeuille avec l'argent à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent, ces psychopathes ? Cécilia, Louis, vous avez réussi à vous extirper du 9-2. Mais combien sont restés sur le carreau, putain ? Sont devenus notaires, avocats ou contrôleurs financiers et survivent au jour le jour. Certains sont obligés de rester dans leur SUV parce que le bip du portail ne fonctionne plus. Ils doivent appeler la domestique pour demander des piles. C'est ça la banlieue. Un tas de petites humiliations qui s'accumulent. Et un jour, ça va péter. À la fin d'une manif pour tous, une vieille dame va jeter un lingot d'or à la tête d'un flic. Il y aura un mort. On sent que la colère monte. Vous savez combien ça coûte un plein sur un jet privé ? 1 300 €. Bref, vous êtes pour moi des modèles de dépassement de sa condition sociale. Donc Cécilia, je me suis permis d'imprimer un formulaire d'adoption. Hein ? Si c'est ok pour vous, Louis, on partagera ta chambre. Je suis pas gênant. Toute la journée, j'écris des chroniques pour remplir les trous de la grille. Hein. Vous êtes pour moi ce que Madonna est pour les petits Africains. Ma seule chance de quitter moi aussi une vie difficile. La zone, le 9-2. Je vous laisse le formulaire. Sauvez-moi. Quoi. Merci Tanguy Pastureau.